Je suis Julie Charbonneau et je suis bibliothécaire à l'école secondaire David-Saint-Jacques. Je suis aussi la coordonnatrice du programme du Club des petits-déjeuners à l'école. C'est un programme qui me tient beaucoup à cœur. C'est un programme que j'ai commencé en étant bénévole à l'école élémentaire L'Harmonie. Et une fois que j'ai eu le poste ici et que l'école a pu finalement ouvrir, j'étais bien heureuse avec la communauté de l'école de pouvoir implanter ce programme-là. Pourquoi je trouve que ce programme-là est vraiment important? C'est parce qu'il est vraiment nécessaire pour les élèves. On est capable de vraiment remarquer une différence les journées où le club des petits déjeuners est présent. Parfois, même dans l'après-midi, on peut s'apercevoir si un élève il est inattentif, il a de la difficulté à se concentrer. On va lui dire: «Ah, est-ce que tu as pris quelque chose dans la boîte des petits déjeuners ce matin?» Et souvent, la réponse, ça va être non. Puis à ce moment-là, on est en mesure de lui fournir de la nourriture, puis l'aider à mieux se concentrer pour le restant de la journée. Le fait aussi que c'est un programme qui est vraiment inclusif, qui est accessible à tous les élèves. Il n'y a pas de lien entre le revenu des parents et l'accès au petit déjeuner. Donc, si un élève a faim, donc il peut se servir dans la boîte du petit déjeuner. Ça fait que ça rend naturelle la notion de se faire aider par l'école. Donc, ça nous aide à créer des liens avec les élèves, puis à leur permettre de comprendre que c'est correct de demander de l'aide et de recevoir de l'aide. Puis parfois, ça peut amener plus facilement à ce qu'ils demandent de l'aide dans d'autres domaines que pour le petit déjeuner. Donc, c'est vraiment un programme qui tient à cœur de l'école de la ville de Saint-Jacques. Puis on est vraiment content d'avoir implémenté ce programme-là, puis on compte continuer pour longtemps, là.